Ah, tu me filmes? Comment ça va ce matin? Bah écoute, ça va bien. C'est toujours chiant de partir à chaque fois, faut ranger les affaires et tout. Attends, excuse-moi. Il y a ça qu'il faut fermer. On a fait 2 grasses mat d'affilée hier et ce matin, et franchement, si on avait besoin, ça fait trop du bien. Là, il doit être 13h30, 14h par là. Ouais, 14h. On part de l'appart dans lequel on était dans l'Est. Donc, on était dans un appart qui était bien dans l'Est, franchement bien placé. On a bien fait tout ce qu'il fallait dans l'Est. On a bien profité, on a kiffé. Mais là, on repart dans le Sud. On va à l'entre-deux. Dans une super villa qu'on a grâce à la conciergerie All Season Réunion. On vous mettra dans la description. Cette conciergerie, elle gère plein de choses, elle gère toutes pleines d'activités, elle gère aussi des studios. Si vous êtes qu'un couple par exemple et vous voulez venir à la Réunion, cette conciergerie a des studios. Si vous êtes un groupe de personnes, des couples, etc., elle gère aussi des villas. Bref, on va dans une villa qui est à l'entre-deux, donc ça va être cool. On change un peu de région. L'Est, c'est bon, c'était cool, mais on est content de partir. Monsieur est content de partir parce qu'il s'est fait bouffer par les moustiques. Ah ouais, non, franchement, là, je kiffe là, mais... Fais voir tes bras, mon pauvre cœur. Regardez, là, c'est un piqûre de moustique. Là aussi. En fait, j'ai une peau qui est hyper sensible, ouais. Et ça fait des croûtes, après, c'est relou. Alors après, ça va partir avec le temps, faut juste mettre de la crème et tout, mais... Ouais. Et éviter de gratter, mais c'est chiant. Ouais. Franchement, la journée aujourd'hui, il n'y a pas de grosse activité, je vais pas vous mentir. On change d'appartement, c'est déjà ça, c'est déjà une grosse activité, je vous le dis. C'est déjà beaucoup d'énergie. On va manger, je crois, à Saint-Denis, un pain bouchon, pour changer. Et sinon, ce soir, on va au sport, on va faire des TikTok et des réels. Franchement, allez voir notre TikTok, on a fait pas mal de vues. Là, les gens, ils ont cru que j'étais enceinte sur TikTok. Non, mais franchement, n'importe quoi, allez voir. Sinon voilà, bah venez avec nous, hein. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas d'activité. Le titre de la vidéo, je sais pas ce que ça sera parce qu'on va pas faire d'activité. Mais bientôt on va à Sillaos et là ça va être archi cool. Bientôt on va à Sillaos, bientôt on va faire du cheval, bientôt on va faire de l'hélico et bientôt on va faire le piton des neiges. Donc ça sera nos prochaines grosses activités, nos prochains gros vlogs. Et je voulais juste dire merci encore d'être tout aussi nombreux de nous suivre. Ça fait trop plaisir, nous on kiffe vlogger, on kiffe faire des grasses mat aussi. Et voilà. Bref, allez, vous m'aidez à ranger ou pas là? Vous regardez la vidéo, vous m'aidez même pas à ranger. Non mais franchement, quelle audace. C'est quoi ça? Ah là, à l'ancienne ça carrément. Ça c'est Bali ça. De ouf, ça c'est grave Bali. Ce n'est qu'un autre. Waouh. Du coup, comment tu te sens? Après c'est 1h45 de route. Alors déjà, on n'arrête pas de dire, on a fait toute l'île en long, en large, en travers, on a fait l'or, sud-ouest. Là on a carrément traversé en diagonale, en perpendiculaire. Non, alors je vous le redis, je vous le dis parce que là, part en couille. En fait, du coup, ouais, en fait, elle se fait piquer de ouf. En fait, on a bien fait le tour de l'île, donc on a bien fait nord, sud, ouest, est. Sauf que là, pour aller de l'est à l'ouest, on a traversé l'île en fait, en voiture. Et c'était quand même impressionnant parce qu'on est vraiment monté dans les nuages, on est vraiment monté en haut et on avait je crois 1h40 de route. Mais c'était des routes de montagne. Enfin bref, du coup on est arrivé à la villa, on va vous la montrer et voilà quoi. Alors, fais-nous une petite visite Chloé de la... Alors bienvenue au Villa Mandarine, à l'entre-deux. C'est mignon en tout cas, déjà je vois le petit passage là, c'est mignon. Vous avez un petit passage pour aller à la piscine directement. Ouais, un petit passage pour aller à la piscine. On a une petite vue sur la piscine, mais on est entouré par les montagnes. C'est vrai. C'est que comme elle a dit Chloé tout à l'heure, c'est que on se marre, si vous venez avec vos potes ou en famille, on se marche pas dessus, mais en même temps on kiffe. On donc, est ensemble sans se marcher dessus. Voilà, on est ensemble sans se marcher dessus, donc c'est assez cool. Donc là il y a une super belle terrasse, apparemment le soleil le matin est plutôt ici. Ouais, ça c'est bien. Face à nous. Si le soleil est de ce côté là, c'est cool. C'est ça, et du coup face à nous comme ça. Et le soir là, ça y est, il fait déjà sombre alors qu'il est encore tôt. Mmh. Il se couche derrière.
Donc c'est un peu campagnard, je trouve, j'aime bien. Ouais, c'est un petit, en mode de, je trouve c'est un petit, on dirait un chalet, je trouve, moi. Ouais, ça fait... C'est ambiance chalet. Et ça fait très, aussi, on l'a vu à Salazie, les petites maisons comme ça. Ouais, c'est vrai, je viens de me rappeler. Donc ouais, ça fait moitié chalet, moitié campagne et tout, c'est sympa. T'aimes bien ? Très joli, mais tout en étant très bien aménagé et très classe quand même, quoi. Mmh. Une petite cuisine qui m'a l'air sympathique. Ouais, ça va, c'est cool, je peux te faire à manger, si on a le temps. On n'a jamais le temps de se faire à manger, les gars. Mmh. Désolée, je suis pas cuisinière. Pour le coup, en ce moment... Le salon, en vrai, t'es plus à l'extérieur posé ici que vraiment à l'intérieur. Ouais, on va préférer être là-bas. Je pense ici. Plutôt qu'ici. Mmh, je pense aussi. Alors, il y a la clim, mais que dans la chambre. La chambre qui est très, très, très jolie. J'arrive. Ouais, la chambre, elle est parfaite. Elle est magnifique. Franchement, très bien agencée, c'est... Magnifique. L'architecture, la déco d'intérieur, pas mal. J'adore. Mmh. Et là, il y a une petite pièce secrète un peu. Voilà, un peu cachée. Un peu cachée, où il y a un jacuzzi. Programme numéro 1. Petit jacuzzi. Ouais. Ouais, arrête-le, ouais. Là, il y a une petite douche. T'as dit, on pourra prendre une belle photo ici. C'est ça. La douche qui permet de se doucher après le jacuzzi. Ah, mais j'aurais une belle photo ici, les gars. Franchement, c'est beau de ouf. Mmh. Tu fais une photo là, c'est magnifique. Ouais, le mur est blanc derrière. C'est très beau. C'est beau de ouf. Ouais, on fera. Et remonter directement. Jambes tendues. Ça les fait. Dans les jambes. On va en faire encore trois. Et. Donc, on est arrivé un peu au crossfit en retard. Donc là, on enchaîne avec un crossfit. Je suis pas prête. Hein. C'est Chloé, c'est ça et... Oui, Chloé Andrew. Et Andrew. Andrew, ouais. Oui. Nickel. Donc, on va faire le mouvement en entier. Donc là. Bien ta séance de crossfit. Ça va. La première. Première séance de crossfit. Ouais, moi aussi hein. Technique, ça va. Hey Manu ! Ces WOD là, ils sont faits pour mettre en difficulté votre cardio et aussi cerveau dans l'équipe. Donc les forces et les faiblesses de chacun. Peut-être que certains étaient plus forts à la corde à sauter, d'autres étaient plus forts aux abdos. Et en tout cas, enfin voilà, ça a bien fonctionné. Il y a deux choses à mettre en avant aujourd'hui. On peut applaudir Anne-Sophie, c'était sa première séance. Bon. Et on peut revenir Andrew et Chloé pour leur. Merci. Merci les photographes et vidéastes. Merci d'être venu. Pardon ? C'est à leur tour maintenant. C'est ça, c'est à votre tour là. C'est à votre tour et c'est nous qui vous filmons. C'est la première fois que je fais du crossfit et j'ai kiffé. Ça, c'était cool hein. C'était cool et intense en fait. J'ai kiffé. Putain, je suis un crossfitter, c'est ouf. Je suis un crossfitter. Bah, t'as fait qu'une séance. Ah bah. C'est déjà beaucoup. Ça, ce sera vérifié. Ok. Les garçons, on peut faire des biceps, on peut faire ce qu'on veut. Ok. 3, 2, 1. Et marche.